Bonjour tout le monde, et bien voilà, on se retrouve pour découvrir donc la nouvelle box Tinilou du mois de mars. Donc voilà, on vient de la recevoir. On retrouve le fameux carton qu'on avait un peu oublié avec le Tinilou marqué dessus. Donc voilà, elle est plutôt lourde, donc on va découvrir ensemble. Donc pour rappel, pour moi c'est pour un petit garçon donc, qui a un petit peu plus de 2 ans, 2 ans et 3 mois pour être précise. Donc voilà, c'est parti donc pour la découverte. Oh donc le papier de soie est un joli mauve. Voilà, très très joli, très couleur, un peu lilas comme ça. Donc c'est très joli, ça change du bleu. Et donc on va découvrir ensemble. Alors, il y a pas mal de choses. J'essaie de trouver le menu. Donc c'est parti. Donc le menu était, le thème de la box était enfin le printemps. Donc voilà, on va découvrir ensemble. Donc je trouvais que le thème était plutôt prometteur. Donc on va découvrir ce qui contient. Donc première chose que je vois et qui est assez lourd, donc effectivement je comprends, c'est un gros flacon hein, de Rivadouce, une eau nettoyante visage et corps sans rinçage. Voilà, donc ça c'est super, je suis contente d'avoir ce genre de produit. Il a beau avoir 2 ans, j'en utilise encore pour diverses choses, etc. Le visage, les mains, et puis encore la couche. Donc voilà, c'est super, moi je suis contente d'avoir ce genre de produit. C'est toujours très utile. Donc, en plus c'est un gros format, hein, donc là-dessus on va rien dire. Alors... l'eau nettoyante Rivadouce, elle était à 8,20 €. Voilà. Ensuite, nous avons... On va prendre par les grosses choses. Donc, nous avons un produit... nous avons des produits de la marque Hip. Voilà. Donc, une très bonne marque pour les enfants. Donc, c'est une marque bio. Donc, là, c'est... j'ai des petits brassés banane mangue ananas. Alors là, je ne connaissais pas. C'est nouveau. Donc, c'est à partir de 6 mois, mais voilà. Bon, après, c'est des yaourts. Donc, moi, il les mangera pour sûr. Donc, vu l'état des yaourts, heureusement, quand j'ai pas eu de casse, hein, c'était limite que les yaourts explosent dans le carton. Alors là, ça aurait été moins drôle. Mais voilà. Donc, du coup, voilà, j'ai un pack entier de petits brassés banane, mangue, ananas. Donc, très sympa. Donc, voilà, je suis contente aussi de savoir d'avoir ce genre de produit qui va me servir forcément. Il en mangera peut-être même déjà un ce soir. Donc voilà, alors ils sont à 2,22 € les 4 brassés. Les 4 brassés, voilà, 2,22 €. Donc nous avons aussi, comme ils sont en partenariat déjà le mois dernier, ils étaient en partenariat avec la marque Hip. Je crois que même le mois d'avant déjà, parce que j'avais eu des gourdes de pommes de compote. Et donc du coup, là, derrière, vous avez des petites réductions. Donc bon, ben, moi voilà, j'achète plus ce genre de choses. Mais bon, voilà, ça peut toujours être utile, les donner à quelqu'un. Et donc à l'intérieur, on a un petit fascicule de la marque. Mais voilà, c'est une très bonne marque, donc pas de souci. Ensuite, nous avons... Choups. Donc c'était, j'avais vu les marques partenaires de la box et j'avais vu qu'effectivement on avait comme partenariat cette marque. Et donc en fait, j'étais curieuse, de voir ça. Et donc c'est 3+. Donc en fait, c'est des élastiques en plastique. Donc moi j'ai la couleur bleu, violet. Bleu violet, hein, assez foncé. Et donc, du coup, voilà, c'est lacet élastique. Donc, moi, je ne connaissais pas le principe, mais du coup, comme j'avais vu la marque partenaire, j'avais été voir sur le site et j'avais plus de détails. Donc, voilà, ça remplace les lacets. Alors, s'il veut bien focusser. Il veut que je vous montre plus en détail, ça peut être sympa. Voilà. Donc, vous voyez, vous mettez les petits trucs en plastique à la place du lacet. Et donc, du coup, bah, il n'y a plus de lacet à faire et on rentre la chaussure beaucoup, beaucoup plus vite. Donc, c'est très sympa. Je connaissais le nom, mais c'est vrai que je ne m'étais jamais intéressée à ce genre de produit. Donc là, il y a 14 pièces pour 2 chaussures ou plus. Tout dépend forcément de la taille de la chaussure. Donc,
Eh ben oui, moi pour l'instant, j'achetais pas de basket avec des lacets, mais qui a scratch, hein, parce que sinon c'est un peu compliqué pour lui. Les scratch, ça va, mais le reste, les lacets, faut peut-être pas trop lui en demander. Mais du coup, avec ce système-là, je me dis que ça peut être très sympa. Donc voilà, je suis hyper contente d'avoir ce produit. En plus, c'est innovant. Franchement, je suis ravie. Alors par contre, le prix, je ne me souviens plus. Donc là, moi, c'est ça. Donc c'est 9,95 € l'étui de 14. Il y avait 14, j'avais dit. Oui, 14. 14, c'est ça. Et sinon, donc, je pense que pour les plus petits, c'était un joli vêtement, la queue du chat. Un vêtement signé La Queue du Chat, cette marque est devenue en 9 ans la marque référence de la marque bio. D'accord, donc c'était qui est un prix de vente moyen 25 €. Ah oui, donc bon, voilà, moi c'est 9,95 € et en plus je bénéficie de 20% de réduction sur le site entre le 15 mars et le 30 novembre 2015. Donc voilà, si je vois que c'est plutôt pas mal, je commanderai peut-être de nouveau un loup. Bon, bah, les prix sont pas forcément équitables, hein, puisque 25 € le vêtement à la place des lacets, qui sont à 10 €. Bon, voilà. Après, je pense que le vêtement m'aurait pas plu, donc je suis bien contente plutôt d'avoir les lacets. Ouais. Ensuite, nous avons de la marque Pledo, j'avais vu aussi, donc j'étais super contente. Je me dis, si c'est de la pâte à modeler, c'est trop bien. Parce qu'on est déjà en plein dedans, on commence, et il adore ça, donc manipuler, malaxer, etc., essayer de faire des choses avec, donc il adore, et donc du coup je vois, c'est Mickey Mouse Clubhouse, donc c'est juste génial, donc voilà, donc nous avons de la pâte à modeler avec des petites, voilà, à faire des petites figurines. Alors par contre ça va être hyper compliqué pour lui, le pauvre, donc ils expliquent exactement, ils expliquent en fait, il y a des petits modèles, je vais vous montrer derrière. Apparemment, donc il y a de la pâte à modeler et on peut faire donc des personnages, etc. Avec la pâte à modeler en suivant le modèle. Bon, je pense que pour lui, c'est un peu trop compliqué. C'est à partir de 3 ans. Bon, il ne sera pas capable de faire ce genre de choses. Peut-être avec. Bon, après, voilà, je serai avec lui, j'essaierai de l'aider. Donc, enfin, je l'aiderai. Et bon, voilà, c'est de la pâte à modeler. C'est toujours très utile, surtout maintenant qu'il vient de découvrir et qu'il adore ça. Donc, ça, c'est bien. Donc c'était soit un jouet surprise en fonction de l'âge de votre bébé, donc un hochet, une marionnette, une peluche, donc je pense que c'était pour la box pour les petits, et donc pour les plus grands c'était des cartes et bâtonnets Disney. Donc voilà, 7,99 €. Donc ça fait 8 et 8, 16. 16, 26, 27, 28. Bon, on dépasse largement pour l'instant la valeur de la box. Donc voilà, on est dans à peu près dans un peu plus de 30 €. Et donc là, en dernier, 6 € le livre que je vois. Et donc, du coup, voilà, on est à plus de 30 € le prix de la box. Donc là, c'est un petit livre Petit Arc-en-Ciel et son papa. Voilà, un joli petit livre alors que je connais, que j'avais déjà eu dans une box l'année dernière. Et donc du coup voilà, donc celui-là je le connais, donc bon bah voilà, c'est un deuxième. Bon, je pense que je l'offrirai sans problème à quelqu'un à qui ça fera sûrement plaisir. Donc voilà, c'est un très joli livre sur les arcs-en-ciel entre son papa et son fils. Donc voilà, c'est un joli petit livre en carton très très sympa. Et donc le petit livre, et donc je vous ai dit, est à 6 €. Donc on avait des petits trucs en plus, donc les coffrets photo Fnac. Là c'est la pub. Et nous avons donc le fameux magazine parent dont Tini Nou est partenaire depuis quelques mois déjà. Donc j'aime beaucoup ce petit magazine, je le trouve toujours très sympa. On l'aide à faire ses nuits, j'ai moins 30 avant l'accouchement. Enfin, il y a toujours des petits articles qui sont plus ou moins 0-6 ans, booster sa positive attitude. Je préfère mon fils à ma fille. Enfin voilà, il y a toujours des dossiers, des trucs plutôt sympas, moi je trouve, où on s'y retrouve. Et puis voilà. Donc, bouquin, on va dire magazine, très agréable à lire. Voilà, on a fait le tour. On a fait le tour. Très contente de cette box, franchement très contente. Bon, le seul bémol, ça serait à la limite le livre, parce que je l'ai déjà eu, mais sinon j'aurais été contente de l'avoir, comme j'ai été contente de l'avoir
quand je l'ai déjà reçu une première fois il y a déjà un an de ça. Voilà, donc en attendant, voilà, je suis ravie des produits. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Si vous l'avez reçu, dites-moi vous ce que vous avez reçu, puis pour quel âge, hein, si c'est pour un petit garçon, une petite fille, et puis quel âge ils ont. Voilà, je suis toujours curieuse de savoir ce que les autres ont eu. Voilà, je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos que les box que je vais recevoir très très vite, je pense. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao.